Bonjour, je voudrais vous présenter quelques nouveautés de la boutique. Alors, en particulier, ces sequins qui sont magnifiques, vous connaissez déjà la marque. Donc, il y a dedans des grains de café, vous voyez. Alors, enfin, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est pas facile à vous montrer avec ce reflet ici, par exemple. Donc, on a dedans des grains de café en résine, je pense. Et du coup, je vous le présente avec ce set de papier sur le café. Voilà. D'ailleurs, il va être en promotion dès maintenant. Il en reste un, donc il est en promo. Si vous voulez le prendre, voilà. Ensuite, ceci, alors je les trouve très gourmands. Donc, il y a des petites cannes sucre d'orge, des sequins transparents et comment dire, un peu brillants, enfin très brillants même. Des petites rondelles de bonbons, de sucre d'orge. Alors ça, je trouve que ça va super bien avec les petits blocs bébés. Ça peut aller aussi avec des blocs de Noël. Avec, par exemple, ce bloc où on a toutes ces couleurs douces. J'ai rentré également des boutons qui sont en forme de cœur. Alors très mignon pour mettre sur vos fleurs, en papier, vos petits nappes en dentelle. Voilà, vous pouvez les associer avec plein de choses. Donc c'est une nouveauté de la marque Paper Boutique. Donc c'est une marque anglaise. Voilà, qui rentre en ce moment. Il y a aussi, donc avec tout ça, je vais vous présenter après une vidéo de fleurs. Donc plein de petites fleurs pastel. Des toutes petites également, donc des mini. Je vous fais une vidéo juste après pour vous montrer tout l'arrivage de fleurs. Elles vont avec toutes ces petites choses. Alors c'est vrai qu'on a souvent des fleurs un petit peu grosses. Et là, moi, je cherchais des mini parce que pour mettre sur les cartes, pareil, pour vos petits embellissements. Donc ça, on verra après les fleurs. Ici, j'ai aussi des belles épingles de différentes couleurs qui sont vendues par 5. Donc des pins, quoi, des aiguilles avec des perles nacrées. Donc il y a 5 couleurs différentes. Regardez le petit détail ici autour. Donc vous avez jaune, enfin or, vert, vert foncé, bleu très pâle, un rose et un gris argenté. Ça c'est très sympa pour les prochains projets que je vais vous proposer. Voilà, j'ai plein plein d'idées. Ensuite, au niveau des anneaux de reliure qui s'ouvrent, donc chez Studio Light, donc là vous avez 12 anneaux qui sont couleur gold, or rose. D'ailleurs, vous aviez beaucoup aimé l'année dernière la collection de papier pailleté et nacré de chez Crafter Compagnon qui était rose gold. Cette collection s'appelait rose gold. Donc ils ont refait une autre version de papier dans les cardstock que vous pouvez retrouver aussi dès aujourd'hui en pré commandes, ils seront là à la fin de la semaine. Vous avez aussi des anneaux noirs mat, par contre ils sont mat, donc ça c'est intéressant aussi. Au niveau des dies et des classeurs d'embossage, j'ai pris celui-ci, il est assez grand, donc c'est la marque Creative Expression. Il représente un fond de feuillage, donc j'ai pris ça parce que vous avez des modèles sur les photos de la boutique qui sont travaillés. Donc un fond blanc juste embossé avec ces découpes-là de gris de fleurs et de feuillage, je les trouve magnifiques. Alors ça peut faire du gui pour les cartes d'hiver ou pour toute saison. Et ces fleurs, vous superposez par-dessus des fleurs que vous avez découpées ou alors des fleurs que vous collez vous-même par-dessus. Donc regardez ces cadres de dies. Donc il y a un cadre de fond et un cadre de découpe un motif, ça j'adore, ça c'est mon coup de cœur. Ensuite, j'ai pris ces deux de chez Crafter Compagnon. Ce sont deux dies de renne, mais avec des formes différentes. Voilà, ils mesurent 5,5 par 7,6 de haut. Voilà, c'est la fin, l'hiver, mais j'ai quand même pris ces deux nouveautés parce que je les trouve très jolies. Ça, c'est, j'allais dire, une valeur sûre. Après, pour les petits, donc j'ai pris chez Creative Expression, donc ils ont reçu plein de nouveautés.
Donc là, c'est un petit lapin avec des ballons. Alors, ça peut servir pour Pâques, mais ça peut aussi servir pour les cartes de naissance, par exemple, ou les albums naissance. Et vous avez tous ces nuages différents. Donc là, voilà, ça c'est mon petit coup de cœur aussi. Après, vous avez, là, c'est très sympa. Donc, ce sont des chats avec des postures différentes. Donc ils ont des vêtements, de la barbe de Noël, on peut les déguiser en Père Noël ou pas, il y a plein de petits éléments, les couronnes, des petits poissons, une pelote de laine, le coussin royal, la gamelle, la petite souris, la moustache, voilà, et puis bonne année, enfin voilà, joyeux Noël. Donc tout ça, c'est cette collection-là, très mignon. Et après, j'ai reçu celui-ci qui est... très grand, puisque ça contient 12 dies, donc vous pouvez faire vraiment des pochettes. Oh, il y a un reflet, je suis désolée. Des grandes cartes, des shakers, c'est vraiment, regardez ça, des pages d'albums, là il y a de quoi faire. C'est vraiment très très chouette. Donc voilà pour ces nouveautés. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer les fleurs, tout l'arrivage de fleurs qui est arrivé. Vous avez aussi les bonnes affaires où j'ai commencé à mettre les choses dedans qui seront soldées à partir de mercredi. Donc vous les avez déjà d'avance. Les Ciao Bella, les nouveautés arrivent à la fin du mois. Donc là, ils sont en précommande. Vous avez tous les prix des Ciao Bella qui ont bien diminué. Et ensuite, aujourd'hui, vous avez aussi en précommande toutes les nouveautés de chez Minty. Les chipboards, les peintures, allez regarder dedans, les peintures, les chipboards, les papiers et les die-cuts. Alors eux, chez eux, ils nous ont fait part que avec l'inflation, la Covid et les pénuries de papier et de matériaux, nous avons une augmentation de 40%, ce qui est quand même énorme sur les produits. Moi, j'ai juste augmenté d'un euro le paquet de papier, par exemple, de 12, ça passe à 13, 50, quelque chose comme ça. Donc, j'ai pas répercuté les 40%. Voilà, j'espère qu'ils vous plairont. En tout cas, les collections sont superbes. Les chipboards ont l'air magnifiques. Moi, j'ai déjà des petites idées de choses prévues avec. Voilà, je sais que vous aimez bien les petites bases d'albums. Je vous en ai sélectionné quelques-unes. Voilà, on verra quand ça arrivera à la fin du mois. Je vous ferai des vidéos pour vous montrer tout ça, mais sachez que vous pouvez déjà les commander, que je fais pas de réassort chez Minté, donc vous commandez ce que vous avez besoin, parce qu'après, voilà, il n'y en aura plus quoi. Voili voilou. Bon ben, je vous dis à tout à l'heure pour vous présenter toutes les collections de fleurs et merci de me suivre. À tout de suite.